tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, il fait 35 degrés, donc on est en canicule. Bon, la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis en vacances, donc du coup, ça me permet de monter les chevaux tôt le matin. Là, ce matin, j'ai commencé à monter à 7h du matin. Mais bon, le reste de la journée, j'ai un peu que envie de faire ça. Ce serait que moi, je mettrais mes chevaux dans la piscine, mais bon, je crois qu'il y en a qui seraient pas trop d'accord. Donc du coup, je me suis concocté une petite routine canicule que je fais deux fois par jour. Donc là, on est go pour la routine canicule. La première chose, et c'est la plus importante, c'est de vérifier l'eau. Donc là, il en reste un petit peu, mais elle est tiède. Donc du coup, là, je vais tout vider, rincer et remettre de l'eau propre. Et ça, vraiment, faut essayer de le faire au moins 3 fois par jour. Voilà. Donc là, je fais couler l'eau, je vais faire ça vraiment frais. Donc là, c'est bon, elle est froide. Pour en finir avec l'eau, je vais rajouter 2 dosettes d'hydratonique poudre. Donc ça va permettre de récupérer les électrolytes que les chevaux ont perdu en transpirant quand il fait chaud. Et les chevaux perdent aussi des minéraux, donc du coup ça va rajouter des apports en sodium. Une fois que je me suis occupée de l'eau, je vais m'occuper des poneys eux-mêmes. Donc là, je vais leur faire une petite douche. Et puis comme vous pouvez le voir, ils ont leur bonnet à mouches qui protège des rayons UV qui sont en ce moment très forts. La douche, c'est super, c'est ce qui les rafraîchit le plus. Ils adorent ça, mais par contre en ce moment les sols sont durs. Il fait très sec, donc si on passe de humide à sec sur les sabots, c'est ça qui les casse. Donc du coup, avant de faire la douche, je vais passer un petit coup d'huile sur les sabots. Je passe l'huile sur les sabots avant la douche. Puisqu'en fait, l'huile, comme elle rejette l'eau, ça va également protéger les sabots contre l'eau. Quand vous douchez votre cheval ou votre poney, faites bien attention quand c'est en période chaude, que vraiment vous fassiez la douche au moins 7 minutes, ça peut être de 7 à 10 minutes ou voire plus, comme vous le souhaitez. Parce qu'en fait, si vous faites juste genre, 2 minutes, et bien ça va pas faire descendre la température du corps puisque l'eau va en fait devenir chaude sur leur corps. Alors que si vous restez plus de 7 minutes, ça va faire descendre la température du corps d'au moins 5 degrés. Donc vraiment c'est ce qu'on cherche à faire. Et aussi petite astuce, si vous mouillez bien la crinière, ça va contenir plus l'eau que le poil sur le corps du cheval. Donc du coup ça va les rafraîchir plus longtemps. Moi, je vous ai déjà montré ça, mais Ushi, elle a le bout du nez rose, donc du coup, crème solaire. Dernière chose, je vais lui mettre un petit coup d'anti-mouche pour éviter les mouches, mais aussi l'étang, parce que comme vous pouvez le voir, nous, nos chevaux se font aussi piquer par l'étang. Là, on voit une petite piqûre, donc du coup, on met bien bien l'anti-mouche. Et bien sûr, la petite routine se reproduit sur tous les poneys. Damoiselle, elle supporte pas les bonnets à mouches, mais apparemment, elle supporte pas les chapeaux non plus. Non, vraiment, les poneys, ils connaissent bien leur routine. Je crois même que si je leur laissais le tuyau, ils le feraient eux-mêmes. Bon, là, ça y est, ils sont rafraîchis. Moi par contre là j'ai super chaud, donc bon bah piscine hein. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je vous fais tous de gros bisous.